beautiful track, great atmosphere. Es muy grande, es un acontecimiento muy bonito. C'est complètement différent, mais c'est très amusant finalement. Je pense que ça va faire de belles courses, c'est un beau spectacle pour tout le public qui est venu en masse. C'est une excitation à la hauteur de ce qui attend les pilotes, un rendez-vous historique pour l'Euro Racecar NASCAR Touring Series. Mesdames et messieurs, bienvenue à Tours pour les manches 7 et 8 de l'Euro Racecar. Un rendez-vous, vous l'aurez compris, au parfum bien particulier, les gros V8 de l'oncle Sam débarquent sur le premier ovale en zone urbaine en Europe. Le Tour Speedway, c'est un pas vers l'inconnu pour nombre de pilotes, un show garanti pour les spectateurs et pour les organisateurs, un pari complètement fou du Team FJ et du boss de la Racecar, Jérôme Galpin. Plusieurs semaines de préparation, plus de 1000 tonnes de matériel, 140 murets pour délimiter le circuit, 35 camions semi-remorques pour les transporter, une tribune d'une capacité de 3500 places, résultat un événement unique en Europe. Voici le rendu en caméra embarquée. Nous sommes avec la Dodge Charger de Tanguy Hyde. Pour les plus rapides, l'ovale de 600 mètres est avalé en un peu plus de 17 secondes. Et pour ce rendez-vous en Touraine, l'un des plus performants pourrait très bien être cet homme. Arrivé tout droit des États-Unis, Ben Kennedy est l'invité prestigieux de ce week-end. Il est l'arrière-petit-fils du fondateur de la mythique NASCAR nord-américaine, le natif de Daytona, et ravi d'être là. C'est la première fois que je suis ici, je découvre la voiture, j'ai vraiment hâte de participer aux courses d'aujourd'hui et de demain. C'est dingue ce qu'ils ont fait ici, la piste est superbe, l'ambiance géniale, il y aura du monde, ça va être fantastique. C'est différent de ce que je connais. Moi, ça me fait davantage penser à une course en ville, mais on retrouve les caractéristiques de l'ovale tout de même. L'ovale, un truc que j'adore, puisque j'ai fait ça depuis des années. Et à l'avenir, ça pourrait être sympa de revenir faire des courses sur ce plateau. Ça me plairait bien, oui. Il y a toujours de la pression quand on court en race car. Mes parents et ma famille seront là dimanche. C'est un peu de pression, je vous l'avoue. Mais je pense aussi que l'on va bien s'amuser. Je n'ai pas à m'occuper des points puisque je suis invité. Il faut juste que je me concentre sur le fait d'être premier à la fin de la course. Petit détail sur la voiture de Ben Kennedy, c'est à ce genre de choses que l'on voit que c'est vraiment la star sur ce meeting. Regardez plutôt, ça se passe à l'intérieur, donc dans le cockpit, avec ce siège qui a été spécialement conçu pour lui du côté de Charlotte aux États-Unis, spécialement moulé à son corps. Donc en l'occurrence, Ben Kennedy doit être bien confort là-dedans. C'est la star, on le disait. Regardez juste à côté, il y a la voiture d'Ander Villarino qui est premier de la catégorie Elite. Et Ander Villarino, l'Espagnol, lui, ne dispose que, vous allez le voir, vous le voyez, d'un siège classique, pourrait-on dire. Et toute dernière information concernant le siège de Ben Kennedy, son prix, 20 000 euros. Et c'est vraiment à ce genre de détail que l'on voit que c'est la star de ce week-end. Si Ben Kennedy est habitué des courses en ovale, la grande majorité des pilotes n'a pour ainsi dire pas l'habitude de tourner en rond. C'est vraiment une première. Je pense que tous les Galpins, le Team FJ, ont fait quelque chose d'unique en Europe. Ah, c'est vraiment chouette. En plus, les spectateurs sont au rendez-vous, ça fait plaisir. Et, déjà, dès ce matin, quand je suis arrivé à 8h30 sur le circuit, il y avait déjà plein de gens partout, donc c'est assez hallucinant. Everything's fantastic. The track is very tough, it's very difficult. Tout est génial, la piste est difficile, mais c'est super d'être ici. J'espère être performant, mais de toute façon, je suis fier d'être là. Ce qui est très dur, c'est d'aller vite sur une piste comme ça. Ce n'est pas du tout les mêmes repères, on ne freine pas de la même façon, on ne pilote pas de la même façon. Et donc pour aller vite sur un petit ovale comme ça, et ben c'est
c'est différent. Voilà. On ne peut pas dire que c'est plus compliqué ou moins compliqué qu'un circuit routier, mais en tout cas, c'est différent. On parle beaucoup des petites bosses, notamment dans les virages. Qu'est-ce que tu en penses ? Hier, je t'aurais dit que j'étais pas content, parce que les bosses, je trouvais pas ça sympa. Une fois qu'on est en course, on n'y pense plus, on en voit. Là, par contre, on sort tous avec le sourire, parce que c'est quand même assez sympathique. Ça reste une course, comme sur un circuit comme ailleurs. Le but, c'est de prendre l'avantage sur l'autre. Alors, on n'y pense plus aux bosses, et c'est le physique qui dit quand on va s'arrêter ou pas. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et c'est vrai qu'ici, on est un peu tous déboussolés, mais malgré tout, ça fonctionne. Le public est ravi. Et puis nous, bah, il faut simplement qu'on se mette à aimer l'Oval, et ça va le faire. Et pour le moment, Vincent Gonneau a toutes les raisons du monde d'aimer l'Oval. Pour la grande finale Open du samedi, il s'élance en pole position. À ses côtés, David Périsset. Deuxième ligne composée de Frédéric Jouet et Stéphane Sabat. Dès les premiers tours de roue, Vincent Gonneau s'échappe. David Périsset connaît lui un début de course difficile. Partie deuxième, le voici englué dans le trafic. Côté, Vincent Gonneau poursuit sa marche en avant et négocie déjà le dépassement des premiers retardataires. La course, mais derrière lui, Frédéric Jouet de plus en plus performant. Le pilote overdrive est manifestement plus rapide. De là à dépasser, c'est une autre histoire. En caméra embarquée avec Vincent Gonneau qui doit abandonner sa place de leader, Frédéric Jouet a mieux géré le dépassement des retardataires et se retrouve aux commandes de la course. Le pilote Gonneau Racing plie, mais n'a pas dit son dernier mot. Naviguant en queue de peloton, Philippe Bodinière part à la faute à l'entrée de la ligne droite. Premier drapeau jaune de la course.
Au restart, c'est Simon Escalier qui réalise la bonne opération. Grâce à la trajectoire intérieure, il s'empare de la deuxième place. Quelques instants plus tard, c'est un Gono revanchard qui récupère son bien. La hiérarchie ne changera plus. Frédéric Jouet s'impose devant Vincent Gono. Simon Escalier termine sur la dernière marche du podium. Je suis tourangeau, natif tourangeau, donc très content d'être ici et encore plus content d'être sur la plus haute marche. Et c'était une course, on va pas dire parfaite, mais qui s'est très bien déroulée pour moi. J'ai bien joué dans les dépassements des retardataires. Un bon restart sur la fin, j'ai pu refaire un peu le trou et puis m'imposer au final, donc c'est génial. De mémoire de Tourangeau, on n'avait jamais vu un tel spectacle. Des motos à perte de vue. Il faut dire que l'organisation a mis les petits plats dans les grands, à quelques mètres de la piste V8, une piste aux étoiles pour les passionnés de culture outre-Atlantique. Et ne leur parlez pas de voiture, ici, c'est Harley-Davidson exigé. Non loin de là, un autre parfum d'Amérique. Les gros V8 de la Racecar vont à nouveau faire entendre leur voix rauque et caverneuse. Place à la petite finale open. Alors que le ciel se couvre, quelle pneumatique pour les pilotes élites. À quelques minutes du départ, des trompes d'eau s'abattent sur le circuit. Le pneu pluie a le vent en poupe. Après la pluie, le beau temps, pensent certains. La côte du slick remonte en flèche, mais seul le temps dira quelle option était la bonne. Sec ou mouillé, sur le papier, c'est sans aucun doute la course la plus relevée de l'histoire de l'Euro Racecar. Les deux Espagnols Javier Villa et Ander Villarino, les trois invités de prestige Hilary, Muller et Kennedy, et les deux Romains Yaneta et Thiévin. Autant dire que l'on a vraiment hâte de les voir s'expliquer sur la piste. Et pour cette finale, c'est un autre Romain qui a réalisé la pole, Romain Fournillier, le pilote Overdrive devance Romain Yaneta d'Ores Compétition. Deuxième ligne 100% espagnole, Javier Villa partira aux côtés d'Ander Villarino. Une place quasi inespérée pour le leader du championnat, victime vendredi d'une sortie de piste qui a largement endommagé sa voiture. Coup de chapeau à ses mécaniciens. Départ bien négocié pour le poleman Romain Fournillier qui conserve la tête. C'est en revanche plus compliqué pour Romain Yaneta, débordé d'entrée de jeu par Javier Villa. Yaneta décidément en grande difficulté, il cède du terrain à chaque tour et voit la tête de course s'éloigner. Après 5 tours de course, Fournillier occupe la tête devant les Espagnols Villa et Villarino. Mais rien n'est fait, surtout quand le pace car s'invite à la fête. Première interruption de course, les positions se resserrent, tout est à refaire pour les leaders. Un restart parfaitement négocié par Fournillier, toujours en tête, suivi de Javier Villa qui n'arrive pas à suivre le rythme du leader. L'Américain Ben Kennedy navigue aux alentours de la 6e place, le voici en plein effort au volant de sa Chevrolet Camaro. Ben Kennedy est loin de la tête de course mais ne s'affole pas, d'autant qu'une interruption va venir resserrer les positions. Lors de ce deuxième restart, Kennedy passe à l'offensive, Fournier et Villa conservent leur place. Mais en troisième position, Villarino est en grande difficulté face à l'Américain.
Une fois l'obstacle Villarreno franchi, Kennedy s'attaque à un autre Espagnol, Javier Villa. Personne ne lui résiste, Kennedy est déchaîné. Dans la foulée, c'est Romain Fournier qui doit s'incliner. La nouvelle hiérarchie est donc la suivante, Kennedy, Fournier, Villa, Villarreno. A noter la belle remontée de Romain Thiévin, parti 11e, le pilote Steel Racing occupe déjà la 5e place de la course. Il faut une interruption de course pour stopper la marche en avant de Ben Kennedy. Stéphane Jaggi part à la faute et provoque un nouveau drapeau jaune. Et pour Romain Iannetta, il n'y aura pas de restart. Le pilote d'Ores Compétition jette l'éponge à mi-parcours. Au redémarrage de la course, Kennedy conserve les commandes devant Villa. Thiévin confirme qu'il est de mieux en mieux en s'emparant de la 3e place. Villarreno en revanche a beaucoup de mal et navigue aux alentours de la 7e place. Alors que nous approchons des deux tiers de la course, nouvelle interruption de course suite à cet incident. Villa a percuté Larry, Yvan Muller passe tant bien que mal entre les gouttes. Au restart, Kennedy conserve la tête. Son nouveau dauphin s'appelle désormais Romain Thiévin, suivi de près par Dimitri Angelbert. Le spectacle annoncé est au rendez-vous. La fin de course sera de toute beauté. Alors que Ben Kennedy se dirige vers un succès bien mérité, Angelbert va s'inviter en force sur la deuxième marche du podium. Dans cette mésaventure, Romain Thiévin a tout de même franchi la ligne d'arrivée et termine finalement 3e. Une fin de course en apothéose, le public est en ébullition et les images, selon l'expression consacrée, se passent de commentaires. Sur le podium, on retrouve donc Ben Kennedy sur la plus haute marche, deuxième Dimitri Angelbert, Romain Thiévin de Steel Racing complète le podium. Je vous propose d'écouter le vainqueur, heureux et visiblement très éprouvé physiquement. C'était vraiment une course géniale. J'ai commencé doucement, après j'ai commencé à prendre confiance. C'est ma première victoire ici, merci à toute l'équipe. C'est vraiment génial d'être ici, cet endroit est vraiment hallucinant. Et j'espère bien être là l'année prochaine. Et qu'avez-vous pensé de la course? Très difficile, n'est-ce pas? Très, très difficile. Les autres pilotes sont vraiment des durs à cuire. Mais j'ai bien négocié les restarts. C'était vraiment une super course. Cette série peut aller très loin. Kennedy, Angelbert, Thiévin, voici donc le podium de la course. À noter la petite 8e place du leader de la catégorie élite, Ander Villarreno. L'état de fatigue de Ben Kennedy après sa victoire met en relief un aspect de la course important, la dimension physique du circuit. Et les pilotes sont unanimes, tourner en rond n'est pas de tourpeau. C'est
clairement plus éprouvant pour les cervicales, pour les bras. Quand on roule dans la voiture, habituellement, quand on roule une heure, on est cassé, on a mal un petit peu. Là, un des deux bras, on le sent plus du tout. Les cervicales en prennent un coup. J'ai bien vu hier soir, en me couchant, que c'était pas comme d'habitude. Quoi. Voilà, les cervicales avaient un peu plus morflé. Il fait très chaud dans la voiture. Moi, j'ai l'habitude dans ma Mosler d'avoir la gourde, le machin, parce que je fais 2 heures là-dedans. Là, j'ai rien. Je crois que demain, je vais prendre une gourde, parce que c'est dur. On décolle beaucoup, la tête bouge beaucoup et physiquement, ouais, c'est assez dur. Ouais. Après, ça va être de la préparation physique, des petites astuces. Le côté le plus physique, je pense que ça va être au niveau de la tête, puisqu'il faut quand même arriver à retenir au niveau de la nuque. On a déjà le poids du casque en latéral, plus un choc qui vient ajouter. Ça fait vraiment un effort intense sur le côté au niveau des cervicales. Bon, après, on a tous nos petites astuces. Hein. Moi, j'ai remis une mousse pour bloquer mon casque. On n'a pas vraiment de plus de solutions à faire. Hein. Ils font bien en NASCAR, alors pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? Et il n'y a pas que les pilotes qui doivent s'adapter, les voitures aussi, mesdames et messieurs. Parlons à présent de carrossage. À circuit particulier, réglage particulier, on en parlait tout à l'heure avec les différents pilotes. Regardez ici sur la voiture de Romain Fournillier, donc regardez la roue avant droite, donc qui est, on le voit, sous l'aile, il n'y a aucun souci, ça ne dépasse pas, regardez. Et si l'on va du côté conducteur, vous vous apercevez, regardez, que la roue sort de 2-3 cm au-delà donc de l'aile. Et effectivement, c'est un ovale. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, voilà, réglage particulier pour le premier circuit en ovale en zone urbaine. Place aux courses du dimanche avec la première demi-finale Open. Vincent Gonneau part en pole position devant Alain Grand. Mais attention derrière, en troisième position, Philippe Marie tient la corde et ne va pas tarder à s'emparer de la deuxième place. Si la première est pour le moment chasse gardée de Vincent Gonneau, la lutte pour la deuxième marche du podium fait rage. Philippe Marie, ici en caméra embarquée, bataille avec Alain Grand. Explication qui prend provisoirement fin suite à cette sortie de Jérôme Lerin, course neutralisée. Pas de quoi perturber la marche en avant de Vincent Gonneau, toujours leader après le restart. Alain Grand et David Périssé sont respectivement deuxième et troisième. Loin derrière Gonneau, solide leader de la course, Philippe Marie est lui redescendu en quatrième place. Mais dans une course aux multiples interruptions, le leader ne s'envole jamais bien loin. En haut de l'écran, Joseph Cosella part à la faute. Nouveau drapeau jaune. Et sous safety car, nouvel accrochage entre Donald Reignoux et Alain Grand. Par chance, Grand récupère la place qui était la sienne avant le drapeau jaune, c'est-à-dire deuxième. Pas de quoi inquiéter Vincent Gonneau, solide leader imperturbable depuis le début de course, en route vers un succès amplement mérité. J'ai terminé, j'avais le volant comme ça. J'ai eu peur de t'avoir serré. Bah non, nous on a fait une course, on ouais, était bien tous les deux. Tous les deux restarts, je voulais pas te piéger. Ouais, mais... non, mais t'as vu, on était, mais moi aussi. Puis j'ai essayé de rentrer bien à l'intérieur. Je voulais pas que. Dans un coin du paddock, la Benjamine de l'Euro Race Car se prépare à courir sa demi-finale. Du haut de ses 17 ans, Ziara Esteban, issue de la Clio Cup, découvre les gros V8 américains sans aucun complexe. No es una carrera muy fácil para empezar. Ce n'est pas une piste un peu dure pour commencer.
C'est sûr, et les conditions météo n'arrangent rien. Ce n'est pas facile de choisir ses pneus. Hier, on est parti en slick et finalement il a plu. J'étais 3 ou 4e et finalement j'ai terminé 8e. J'espère que ce sera mieux lors de la prochaine course. Par rapport à la Clio Cup, c'est un changement radical. Mais j'aime beaucoup le comportement de ces voitures. J'aime beaucoup leur réaction. J'ai vraiment de bonnes sensations. Il y a d'autres pilotes espagnols sur le plateau. Est-ce qu'ils te donnent des conseils? Oui, ils m'aident beaucoup. Je parle souvent avec Ander. On vient tous les deux de la même région de Bilbao, dans le Pays Basque. Et ils me parlent beaucoup. Deuxième demi-finale Open, nous sommes en caméra embarquée avec Tanguy Hid. Le pilote Ores Compétition s'élance en 6e position. Aux avant-postes, on retrouve Frédéric Jouet et Simon Escalier. Deuxième ligne composée de Pascal Renada et Gérald Cormon. Attention départ. Départ pour Frédéric Jouet qui compte déjà quelques mètres d'avance sur ses poursuivants. Deuxième, Simon Escalier. Troisième, Pascal Renaudat. En caméra embarquée avec Gérald Cormon, quatrième de la course sur les talons de Joaquin Gabarone. Cormon, désormais troisième, a maintenant Pascal Renaudat en ligne de mire. Plus rapide, le pilote Overdrive cherche patiemment la faille. Mais du haut de ses 17 ans, Ziara Esteban se pose beaucoup moins de questions et s'intercale en troisième position au nez et à la barbe de Gérald Cormon, rétrogradé à la 4e place, mais qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Au 35e tour, Cormon replace sa Dodge Challenger en 4e position devant la jeune espagnole qui doit contenir les assauts d'un client de taille, Tanguy Hid, sur sa Dodge. Début d'un mano à mano spectaculaire entre les deux pilotes. Frédéric Jouet survole la course, à l'exception de Simon Escalier, tous ses adversaires ont dû lui concéder au moins un tour. Frédéric Jouet s'impose en patron devant Escalier, Cormon, Hid et Esteban. Victoire de Jouet avec une domination sans partage, l'absence de drapeau jaune lui a permis de littéralement s'envoler. On s'attendait à avoir quelques interventions, on les a même un petit peu attendues à certains moments, puisque quand même la piste est très physique, donc généralement ça nous fait des petites pauses à nous aussi. Il n'y en a pas eu, bon c'est que tout s'est bien passé en piste, donc c'est pas mal aussi. J'espère qu'en finale, il y aura peut-être une petite intervention, éventuellement pour faire une petite pause à mi-parcours et remettre la gomme pour la fin, ça serait bien. Le Country Rock Bike Festival, un morceau d'Amérique dans la cité tourangelle. 35 000 spectateurs, des centaines d'exposants et une atmosphère unique.
si le week-end de l'Euro Race Car est une réussite, cette 6e édition du festival n'est pas en reste. Là encore, les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands. Résultat, un effet de vase communicant et une affluence des grands jours pour l'Euro Race Car. Et les pilotes n'ont pas caché leur joie lors des séances de dédicaces. Avant la deuxième course élite, focus sur l'autre invité de marque du week-end, Yvan Muller, le pilote français triple champion du monde de WTCC. Un week-end studieux pour Muller qui participe sur ce même week-end au Mans Classique, un emploi du temps chargé. Pour autant, pas de pression particulière. Je n'avais jamais participé à une course en ovale, j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Pour moi, le week-end a été plutôt chargé parce que j'ai fait des allers-retours entre Le Mans Classique et Tours. Donc déjà, rien que deux allers-retours dans la journée, 400 km de route, plus montée d'une voiture classique avec des longues lignes droites, les Hunaudières, etc. Ensuite, ici à Tours, avec une ligne droite qui fait à peu près 100 mètres, virage et vraiment un tourniquet. Et il faut s'adapter rapidement. Maintenant, c'est intéressant, c'est intense. Vous savez, je ne joue pas ma carrière, je suis venu pour découvrir quelque chose et participer à la fête. Après, j'essaye de rester en dehors des embûches parce qu'il y a des garçons qui jouent le championnat. Il y en a d'autres qui font des freinages un petit peu suicides, donc j'insiste pas, je les laisse passer. J'essaie de ramener la voiture au mécano dans le meilleur état possible. Pour la deuxième finale élite du week-end, on retrouve Carole Perrin en pôle grâce à son meilleur tour en course lors de la finale de la veille. Première ligne qu'elle partage avec Romain Yanetta, deuxième ligne composée de Dimitri Angelbert et Eric Hellary. Départ parfaitement négocié pour Perrin qui est en tête devant Angelbert et Yanetta. Nous voici avec Ben Kennedy. L'Américain se bagarre aux alentours de la 6e place. Il occupait la troisième place, Romain Yanetta est piégé à l'entrée de la ligne droite. Premier drapeau jaune et premier restart de cette finale élite. Carole Perrin tient toujours la corde, mais très vite, ne va plus tenir la course. Dès le premier tour de relance, Angelbert Thiévin lui passe devant, imité quelques instants plus tard par Villarino. Villarino de mieux en mieux sur cette course déborde ensuite Romain Thiévin pour s'emparer de la deuxième place. Prochaine cible, Dimitri Angelbert. La course est longue, l'Espagnol prudent, le pilote Overdrive conserve la tête avant un nouveau drapeau jaune.
Et pour Carole Perrin, un temps en tête de la course, les choses vont de mal en pis. Une crevaison la pousse à regagner les stands et à lutter désormais pour une place d'honneur. Lui était déchaîné avant l'interruption de course, mais le restart va totalement changer la donne. En deuxième position, en trajectoire extérieure, le pilote espagnol va plier sous les assauts de Thiévin et l'arrêt Kennedy Fournier Villa, autrement dit 5 places de perdu en l'espace de 30 secondes. De son côté, Carole Perrin ne va pas plus loin, abandon pour la pilote d'Autosport 42. En course, nous avons le droit à un nouveau restart, cette fois-ci bien mouvementé. Le drapeau vert vient tout juste d'être agité que Javier Villa et Ben Kennedy s'accrochent. Nouvelle interruption et des espoirs de victoire envolés pour Villa et Kennedy. Au nouveau restart, Ange Albert conserve la tête et comme souvent depuis le début du week-end, le pilote en deuxième position à l'extérieur du virage se fait doubler la politesse par la voiture occupant la trajectoire intérieure. Voici donc Eric Hellari en deuxième place. Pas pour longtemps, le champion élite 2011 prend les commandes de la course devant Ange Albert. Pressé par Thiévin, Ange Albert se cramponne à sa deuxième place. Résultat, la bagarre se solde par un accrochage entre les deux hommes qui vont tant bien que mal réussir à réintégrer la course. Nouveau drapeau jaune, nouveau restart, la course reprend ses droits, pas pour très longtemps. Sur ce nouvel incident, Winslow et Ange Albert sont contraints à l'abandon. Emmanuel Brigand, pour sa part, parvient à reprendre la course. Cette fois-ci, c'en est trop pour la Dodge Challenger de Romain Thiévin qui dépose finalement les armes après cette énième péripétie. Le drapeau n'est plus jaune, mais rouge. Les concurrents restent immobilisés le temps d'évacuer les véhicules accidentés et de nettoyer la piste. Et voici l'ultime restart de cette course folle. Eric Hellari en tête ne tremble pas. Derrière, en troisième position, Villarino prend le meilleur sur Fournier. Le pilote overdrive, jusqu'ici exemplaire, se fait une nouvelle fois piéger quelques instants plus tard. Il prendra finalement la septième place. La victoire revient à Eric Hellari qui s'impose devant Ander Villarino et Yvan Muller. Un podium de gala avec deux invités de prestige très attendus et qui ont donc répondu présent. Autant hier, j'étais dans tous les mauvais coups, autant aujourd'hui, quand je voyais que c'était un peu trop agité, je laissais. Après, j'ai remis la pression et j'ai pas touché une fois le mur. Hier, j'ai touché 9 fois. Donc j'étais peut-être un peu trop chaud, donc j'ai tout recalé. La succession de safety car m'a aidé un petit peu aussi parce que ça me permettait de refroidir les freins avant et avoir un peu moins de grip, ce qui me permettait d'avoir un train arrière un peu plus stable. Puis petit à petit, je suis revenu. C'est qui la demoiselle à côté de toi? C'est ma jeune fille Nina. Fier de papa? Super fier, toujours. Merci beaucoup, merci. Félicitations. J'espère qu'elle n'est pas que fière pour les résultats. Les résultats, c'est une chose. Le reste, c'est beaucoup plus important. C'est pour ça que j'ai dit toujours. Oui. Retour gagnant donc pour Hellari. Deuxième place pour Villarino. Muller est donc troisième. À noter qu'Hellari étant invité. La belle opération est pour Ander Villarino qui récupère les points du vainqueur. Après cette finale élite, on s'affaire dans les stands et les pilotes élites n'ont pas vraiment ménagé leur monture. Il faut remettre en état les véhicules pour les pilotes open. Et malgré tous les efforts des mécaniciens, seuls 6 concurrents prennent le départ de la petite finale. Sébastien Baron, Joaquin Gabarone sont en première ligne. Pascal Ronoda et Franck Viola occupent la deuxième. Attention, départ!
volée réussie pour Sébastien Baron. Une place de perdu en revanche pour Joaquin Gabarone, débordé par Pascal Ronoda. Viola, Sabat et Cosella ferment la marche. En tête de course, Sébastien Baron domine toujours les débats et va bénéficier d'un grand bol d'air puisque son adversaire le plus menaçant, Pascal Ronoda, est coupé d'un drive-thru. Joaquin Gabarone récupère donc la deuxième place. Pas pour longtemps, le pilote rapide de Racing part à la faute tout seul. Il s'agit là de la première interruption de course. Une aubaine pour la Chevrolet Camaro de Pascal Ronoda qui peut recoller au peloton. Au restart, les différents spotters sont sous tension. On va essayer de voler un départ encore, on va essayer de voler un départ. Ça ne coupe pas le restart. Attention extérieur, ça passe, il est derrière, il est à l'extérieur. Pascal Ronoda est bel et bien à l'extérieur mais va finir par passer. Le pilote Gono Racing opère alors une folle remontée. Après quelques tours, Pascal Ronoda reprend sa deuxième place dans les talons de Sébastien Baron. Les deux hommes ne vont plus se quitter jusqu'au drapeau à damier. Sébastien Baron contiendra les assauts de Ronoda jusqu'à la fin. Le pilote Rapido Racing remporte cette petite finale open devant Pascal Ronoda donc. Dernière marche du podium pour Joaquin Gabarone. Dans un instant, la réaction du vainqueur. Et le team Autosport Lift qui est en action. Je suis très heureux parce qu'on revient de très très loin ce week-end. On a eu des gros soucis en début de week-end, j'ai pas pu rouler tout simplement. Et on était, il faut le savoir, la seule auto avec trois pilotes. Donc j'avoue qu'avec ce mat de furieux, comme on a pu le voir dans toutes les finales, c'était pas facile. Quand il y a une finale comme ça avec peu de voitures, on se dit que c'est moins de pièges du coup, c'est plus facile, il y a moins de pression. Une course, c'est jamais gagné, c'est gagné quand... Un drapeau à damier que compte bien franchir en tête Vincent Gono pour la grande finale open. Sa Chevrolet Camaro est en tout cas en bonne position sur la grille avec la pole et la trajectoire intérieure. Deuxième place pour Frédéric Jouet, Alain Grand et Simon Escalier se partagent la deuxième ligne. Départ en compagnie de David Périsset, le pilote Seal Racing s'élance depuis la sixième place. Départ bien négocié pour Gono, derrière sa bataille entre Frédéric Jouet, Simon Escalier et Alain Grand, jusqu'à une première interruption. Ziara Esteban et Eric Van de Beeder s'accrochent. Drapeau jaune. La jeune Espagnole sera contrainte à l'abandon quelques tours plus tard après une violente sortie de piste, heureusement sans gravité. Ziara Esteban quittera l'équipe médicale avec un simple bandage au poignet gauche. Au restart, Vincent Gono reprend la course en main. En ce début de course, sa Chevrolet Camaro est intouchable. Gono, leader devant Alain Grand, Simon Escalier et Frédéric Jouet, Périsset, Baudinière et Vernet ferment la marche. Nous atteignons la mi-course, le combat pour la deuxième place fait sa première victime. Simon Escalier part en tête à queue après un contact avec Frédéric Jouet. Drapeau jaune, Simon Escalier repart bon dernier, seule bonne nouvelle pour lui, il bénéficie de la trajectoire intérieure après trois virages, le voici déjà en quatrième position. Vincent Gono occupe toujours la tête et loin derrière dans le trafic, David Périsset doit jouer des coudes, le pilote Seal Racing lutte pour une place d'honneur. Gono est imperturbable, Alain Grand peine à contenir ses poursuivants. Le pilote Overdrive perd sa place et se retrouve dans le peloton de chasse. De leur côté, Simon Escalier et Tanguy Hid se battent pour la deuxième place. À 10 tours de l'arrivée, Escalier place une attaque décisive et s'empare de la deuxième place.
Loin devant, Vincent Gonneau ne mettra pas un deuxième tour à Philippe Bodinière, mais s'impose en grand patron. Il s'agit là de sa troisième victoire de la saison. Gonneau, Escalier, Hyde, voilà pour le podium de cette deuxième finale Open du week-end. Je suis vraiment content d'avoir marqué le plus de points possible parce que même hier, si je suis deuxième, j'ai les points de la victoire. Donc c'est un week-end bien rempli là, je suis content, ouais, effectivement. Mais c'est physiquement difficile. J'aurais fait quelques tours de plus, mon cou il commence vraiment à fatiguer avec les bosses. Un ovale urbain au beau milieu de l'Indre-et-Loire, le pari était un peu fou, mais à l'issue de ce week-end tourangeau, le verdict est sans appel. Paris gagné pour Laurent Riscard et son big boss, Jérôme Galpin. Le petit tout double, c'était de se dire, voilà, est-ce que les teams, est-ce que les pilotes vont prendre du plaisir à faire du NASCAR et à voir ce que c'est? Et là, ils se sont tous éclatés. Mais quand je dis on l'a fait, c'est-à-dire que les mécanos, les spotters, les patrons de team, les pilotes, tout le monde a découvert ce que c'était, tout le monde a pris un plaisir fantastique et on n'aurait pas pu le faire sans eux, il fallait leur confiance, ils ont joué le jeu, tout le monde a pris un plaisir fantastique, le public, on a vu le public debout à chaque course, chaque fois qu'il y a un dépassement, ça se levait, ça applaudissait, donc vraiment un week-end plein et un week-end où on s'est vraiment éclaté. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous de l'Euro Race Car sur l'Oval de Tours. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de nos belles américaines les 29 et 30 septembre. À suivre, bien évidemment, sur Motors TV. Salut à tous!